Traité des Pyrénées, signé en 1659. Le fort Lagarde permettait également de surveiller les autochtones qui venaient d'être annexés au royaume de France et qui, n'acceptant pas le rétablissement de la Capelle, considéraient notre garnison comme une armée d'occupation juste bonne à prélever l'impôt. Alors, pourquoi fallait-il défendre? Parce qu'il y avait des ennemis partout. Et même à l'intérieur du fort, il y avait des traîtres. La suspicion était constante. Personne ne croyait personne.